Thank you.
Mais je vous emmène pour s'arrêter ici parce que je voudrais bien vous présenter un arbre qui est très très vieux. Voilà, regardez la forme de feuille, là c'est comme la forme de queue, sinon ici. Voilà, il est un petit peu jaune, mais ça peut être clair. C'est comme la forme de queue. De queue, c'est comme ça. Et si on met ce côté, c'est comme le Bouddha assis en méditation. La tête et les genoux de l'autre côté. On appelle l'arbre Pho, P-O, ou Pipal. Ou, plus simple pour vous, l'arbre illumination. Parce que l'origine de cette table se trouve en Inde. Voilà. Et ça vient de Sri Lanka, à cette table. Et c'est là parce que le Bouddha il a atteint l'illumination sur l'arbre comme ça. Donc, si on trouve quelque part, on ne coupe jamais. Et ici, son arbre, c'est à peu près, peut-être au moins 700 sons. Hein? Et devant, il y a aussi une chapelle ou un bâtiment, Steen Khmer. C'est comme maison de l'esprit ici, avec statue du roi Pasathong. Donc, c'est le roi qui a fondé cette île. C'est le prince, parce que c'est Savinathan, il est né ici, sur cette île. Voilà. La porte, c'est comme la porte de maïs. Et ça, c'est le pavillon le plus joli. C'est une taille raffinée. Ça s'appelle Aïsoban. Il se trouve au milieu de lac. Et si vous faites des photos sur le pont, il se reflète dans l'eau, le soleil sur le dos. C'est très joli. Voilà, c'est comme dans les cartes postales. Et après, on va visiter le palais Veha Chamrun. C'est en bois de texte. Palais en bois de texte chinoise. Voilà, ici. C'est toute petite, mais on va voir le tronc. Merci beaucoup. Ça doit être bon ça. C'est un barbecue. C'est bon. Il y a un goût. Et... Ils sont à l'abri. Ils sont pas mouchés par les autres. Parce qu'il y a des guppies, ceux-là. Ça mange. Et ils mangent leurs petits. Donc quand j'étais à l'école, le prof...
que demain il va pleuvoir, il fait froid, il fait chaud, etc. Donc il faut monter jusqu'à là-haut comme ça pour voir les étoiles la nuit pour deviner le climat de l'endemain. Vous pouvez monter comme eux aussi. Il faut se déchausser. Il fait chaud, chaud. Voilà, et le palais là-bas, c'est profite de tout. Ça, c'est le palais principal, c'est chinois. On voit le sec. Et c'est le sec or. Quand on a fait le rouge et la fait le doré. Là-bas, on va encore. Le cadeau de notre roi Ramassin. Palais, comme accent chinois. Elle marque toujours le haut du mal. Parce qu'elle peut sentir l'odeur de l'ennemi plus que le mal. C'est laquelle qui marche avant? La femelle? La femelle, elle marche, doit marcher avant, toujours avant. Avant les autres? Oui. Parce qu'elle peut sentir l'odeur de l'ennemi plus que le mâle. Ah oui. Et l'arbre de la Thaïlande, là. Les éléphants, oui, il y a autre chose. Ils prennent beaucoup, beaucoup. Quoi? Éléphants mâles. Pas de défense, c'est comme on a peine, comment? C'est comme PD, voilà. Il n'y a pas de défense, mais il est mal. Normalement, le mal, il tombe toujours le défense, ou les ivoires. Voilà. Il y a deux sortes, et le défense. Et le femelle, pas de défense. Comme le bébé, ils sont bien taillés. C'est une espèce à part, ça? Il n'y a pas de défense, ou c'est certain dans les éléphants qui n'ont pas de défense? Certains, certains. Exceptionnel. Mais ils sont beaucoup, beaucoup de la force. Pour travailler, on aime bien adresser les éléphants mâles, mais pas de défense. Parce qu'ils sont beaucoup de la force, plus que l'autre. Ils sont partis là-bas, déjà. Regarde. Thank you.
c'était le portugais de l'époque du 17e siècle. Et ils sont arrivés ici aussi, à Ayutthaya. Voilà. Et ils ont emmené, on appelle comment, pistolet ou fusil, là. Les armes. Voilà, les armes pour vendre en Thaïlande. Et ici, le roi, il a organisé le village de Hollandais, le village de Japonais. Et le village des gens qui construisent aussi l'église dans notre pays. Donc, vous voyez, Bonina, ça. Voilà, donc la vie était très heureuse, sauf il y a deux fois. Il y avait les Birmans qui sont venus en Thaïlande pour avoir certains terrains comme ça. Donc, il y avait un petit peu de froid, la bataille. Petite bataille. Et on va voir aujourd'hui, c'est ancien palais royal et ancien truc que vous avez à gauche à droite. C'est vraiment très très joli. Et on va s'arrêter à l'endroit. Si vous voyez là tout de suite, vous pensez de votre station de voyage. Toutes les publicités sur la Thaïlande, il y a toujours trois Chedi ou trois Pagode ou trois Stupa là-bas. C'était dans le top que nous allons voir. Parce que de l'époque Ayutthaya, il y avait petite histoire. Il y avait le frère, c'est comme il faut prendre Mahatati Kapchacha, c'est comme deux frères, deux garçons, voilà. Ils sont fait la bataille pour avoir le trône. Voilà, pour avoir le trône. Tout pour l'autre côté avec le Brahms Tinkamera. C'est le temple Rajaburana. Ce côté, c'est le temple Mahatati. Voilà, quand ils ont fait la bataille, tous les deux, ils sont morts. Ils sont morts là-bas, dans le temple, avec le Brahms Tinkamera. En tout à gauche et surtout à droite là-bas, Rajaburana. Donc, il y avait un petit frère. Le petit frère, c'est lui obligé de monter sur le trône à la place de deux frères parce qu'ils sont morts. Donc, il construit le jedi dans le temple. Quatre frères, ils sont dédiés pour deux frères et un seul, c'est pour dédier, il a dédié pour son papa. Voilà, pour son papa. Donc, il y a les ombres, les rois et les ombres de son papa. Voilà, ce côté, ça c'est le temple Mahatha, c'est le temple musical de la ville de Ayutthaya. Vous pouvez imaginer un petit peu, de l'époque Ayutthaya, il y avait le mini encore plus haut, il y a très très bonnes colonnes ou piliers. Donc il y avait le toit, peut-être c'est en bois, donc c'est déjà les fruits. Voilà. Donc c'est très très bon et très très joli, cette époque-là. Toutes les briques ici, hein, ça appartient de nous tous. Parce que tout ici, cha-cha, chauffeur, regardez les jolies fleurs, la couleur mauve, vous voyez? Très jolie, jolie. Voilà, le chauffeur, il est gentil de s'arrêter. Comme ça, je vous raconte un petit peu à votre gauche, là, vous voyez. Ça, c'est l'ancienne base de Chedi, hein. Ça peut être le plan, voilà, comme la forme de maïs. Parce que de l'époque Sukhothai, il y avait déjà les Khmer qui sont installés en Thaïlande. Mais on n'a pas de problème avec les Khmer. Hein? Et quand ils sont quelque chose qui sont beaux, dans l'autre architecture, ils peuvent construire dans notre pays. Ils peuvent construire, ils peuvent créer. Donc il y a les beaux chédis, beaux bruns en Thaïlande. Toutes les formes comme la forme de maïs, ça c'est architecture khmer. Et c'est Ayutthaya, c'est à gauche, vous voyez. Il y a le chédis avec la forme comme une cloche là, vous voyez. Et en bas, il y a un, deux, trois points. Ça c'est Ayutthaya. Et toutes les colonnes de ici en Ayutthaya, c'est la forme octogonale. Sukhothai, c'est la forme ronde. Et à votre droite, voilà, regardez bien, ça c'est le Brahms Tinkamera, la forme de maïs, mais c'est du maïs, grand maïs, ce n'est pas les épis du maïs, ce n'est pas jeune chef de maïs, c'est de l'époque, normalement c'est 12e siècle, ça vient de l'époque du 12e siècle, donc on peut voir encore deuxième fois à Lopburi, hein. Et on a trouvé beaucoup de statuettes de Bouddha, en or, en argent, dans ce brin. Hein. Jusqu'à cette ville, ils peuvent ouvrir le musée
sont demandés de l'argent du gouvernement. Voilà, on va descendre devant le temple. Je vous emmène de visiter parce que là-bas il faut payer le ticket. Voilà, je vais vous emmener tous avec moi. Je vais vous expliquer. Et après, vous sortez. Il y a un membre mobile. Vous pouvez voir le plus grand statue de Bouddha en bronze, le plus grand en Thaïlande. 12 mètres de haut, à peu près. Voilà, comme une chapelle. Hein? Le visa tout triste parce que cette époque-là, il y avait la guerre. Il n'est pas souriant. C'est en bronze, la pesteur, c'est à peu près presque 8 cm à peu près, hein? La pesteur de bronze. Bronze laqué doré. Bronze laqué doré. Vous pouvez entrer sur des chaussées, des jardins, sans rien à faire. Donc, c'est tout. Mais il y a c'est les bons pour nous, on va faire à Chiang Mai. Hein? Ici, c'est pour les touristes chinois et japonais. On va marcher ensemble, on coupe un peu plus loin à droite là-bas où il y a les bornes de sanctuaire, on la pousse tout loin. Et puis après, voilà, et puis on va marcher tout droit, il y a les trois jeudis à droite et à gauche il y a une porte. Et voilà, quand vous sortez cette porte, se trouve le temple de Bouddha en bronze. Vous pouvez entrer pour voir et faire les photos et filmer. Et après, vous descendez, il y a à côté, il y a le marché local avec les fruits confits, avec le couteau, avec les nucatines, avec les chips à la banane, etc. Très joli à voir. Allez là. Il va nous demander de la photo. On a fait les photos. Non. Voilà. Regardez bien. Bye bye. Attends, chó con à, nó đẻ à, không được không, không có ai nuôi, ai nó nhiều lắm, trời ơi nhiều lắm. Thôi làm mẹ. Là.
Il y a beaucoup de
parce que le roi Narai, il est très généreux. Il accepte toutes les religions. Il y a même l'église, toutes les églises de toutes les religions. Dans le palais, on allait à gauche, c'est là, le mur. Voilà. On doit stationner ici et on va tourner à gauche. Vous pouvez emmener appareil photo ou caméra, mais dans le bâtiment, interdit de filmer, faire des photos, mais à l'extérieur, c'est possible. Voilà, on va visiter aussi. Quel bonheur, vous avez vu? Oui, on peut faire la suite de 2 minutes, 3 minutes. Quand vous êtes dans le palais, vous pouvez imaginer comment la photo est. Vous voyez, c'est la photo, jusqu'à là-bas. Et ici, il y a toujours une petite niche. Même à la porte où vous passez ici, regardez, il y a plein de petits niches ici. C'est pour mettre des lampes à l'huile. Donc la nuit, dans cette époque-là, c'était illuminé et chaud. Et puis, cette partie, c'est la partie de grenier de riz où les peuples de cette époque-là. Les briques, voilà, toutes les briques, ils sont toujours rondes. Ils sont toujours prêts. Il est malade? Il est malade ou pas? Ils sont bons? Ils sont bons? Il va pleuvoir. Et regardez l'autre côté, vous voyez? Ça, c'est le palais, ce que vous pouvez faire le photo très bien. Ça, c'est un endroit, ce que l'ambassadeur de la France. Thank you.
Alors c'est la même chose. Là-haut. Oui. Oh, là, dis donc. Oui, regardez, c'est très joli à gauche. Regardez bien. Ils ont décoré. Il y en a plein de choses. Oui, c'est magnifique. Vous voyez à gauche. Ah, ici, c'est l'autre. Voilà, les cinq, ils sont partout. Il y en a plein par terre. Oui, il y a par terre. Là, à droite aussi, pour ceux qui pensent à gauche, regardez sur le pied électrique. Jamais. Ils sont en hôpital à droite, vous voyez. Aujourd'hui, c'est banane, concombre, tomate. Voilà. Ça, c'est la nourriture. Et ici, c'est le bassin pour les singes. Ici. Voilà. Après, on va passer ici encore deuxième fois pour sortir, pour aller à Sukotai. Hein. Ils sont à droite là-bas, ils sont à droite là-bas. Il y a les nourritures pour eux, vous voyez. Voilà, à droite là-haut, là. Là-haut. Il y a plein de Coca-Cola. Aujourd'hui, j'ai bien mangé, il a dit. Regardez sur le toit de Prang, c'est comme ça. Voilà, des chachans. À droite, vous voyez. Parce que ici, là, ils pensent que les seins, ça porte. Donc,
Ils sont emmenés les nourritures pour donner au sein aux joueurs papons. Thank you.
comme bouton de feu de lotus. Ça c'est architecture tout en taille. Hein? C'est pour renfermer les reliques de Bouddha. Et quand vous arrivez, chaque colonne, il faut avoir au moins 2,5 personnes pour faire autour. Donc le toit c'est encore plus haut. Hein? La chapelle le plus important c'est en face de vous tous avec statue de Bouddha assis et un oiseau là, vous voyez. Ça c'est la chapelle principale ou la chapelle royale. Et puis la chapelle secondaire, c'est la chapelle parce qu'il crée beaucoup de choses. C'est-à-dire le jeudi style Sengkale et le jeudi style bouton de feu de lotus. Et aussi ancienne base de... Il crée seulement la base, les bases, les prankhamer. Voilà. Ça c'est pour pratiquer toutes les cérémonies. Cette longue roue, c'est uniquement pour cérémonies religieuses de gens dans la famille Koyan de l'époque Sukhothai. Voilà. Il y avait seulement 9 croix de l'époque Sukhothai. Ayutthaya prend 3 croix. Ici, c'est 9 croix seulement. Voilà. Et en plus, la partie la plus jolie pour faire les photos, devant le bassin là-bas, il se reflète dans l'eau. Et c'est très très beau. Et il y a aussi une statue de Bouddha debout, il ne fait rien. Hein. C'est comme ça, il a évité pour la prière. Donc, il est sorti de monastère pour regarder toutes les moines bien habillées ou pas. Est-ce que les corps de la femme sont en bon état, etc. Pour regarder la position toutes les prises, on appelle. À gauche de la main, à droite de la main. Avec les mains, pas pareil, hein? pas pareil comme ça, c'est en méditation. Mais lui, c'est la position de la victorieuse Mara. Quand il est concentré, il est presque atteindre l'illumination. De toute façon, pour les positions de Bouddha, il y a à peu près 199 positions différentes. Mais on peut séparer en quatre parties. Bouddha assis, Bouddha couché, Bouddha debout, et Bouddha qui marche. Et vous ne trouvez plus ailleurs Bouddha qui marche. Enfin, il y a seulement dans cette ville à ce moment. Après, je vous emmène. C'est comme le Bouddha, il est descendu du ciel. Après, il a appris toutes les choses qu'il a atteintes, l'illumination. L'esprit de sa maman, pour que l'esprit de sa maman ait encore monté jusqu'au ciel. Et quand il est descendu du ciel, c'est la position de la marche. Comme l'autre,
les ceux de caille, ceux de poule, 7 minutes déjà. En allant à Chiang Mai. Si, si vous êtes toujours à l'heure, je vais vous emmener. Le cadeau.